tout le monde. Tu es en retard. Ah non, pas du tout. Je suis pas en retard là. 21h05, ce n'est pas être en retard, les Crozes. Bon, du coup, ce soir, on se retrouve, les Crozes, sur Not a Hero, un DLC de Resident Evil 7 qui est sorti pas plus tard qu'il y a quelques jours. Il est totalement gratuit. Du coup, eh bien, je n'en sais pas plus. On va incarner donc Chris Redfield. Ça va être un DLC, je pense, orienté très action. Il n'y aura pas vraiment de peur, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'action dans ce DLC. Il dure environ 2 heures. Donc logiquement, on devrait le finir ce soir. Sauf que, figurez-vous qu'il y a des énigmes dans le DLC. Et vous me connaissez avec les énigmes. Hein. Donc je ne sais pas si on va réussir à le finir ce soir. Bon, allez, c'est parti. Alors, facile ou normal? J'ai envie de dire, on n'est pas des tapettes. Hein. Ça part sur du normal. Alors, ah, attendez, faut que je me remette carrément dans l'ambiance. Hein. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. C'est parti. Fucking company. C'est prêt? On peut commencer? J'en peux plus d'attendre. On a du boulot. Ah, mais c'est Merde, comment il s'appelle, lui? Chris, on l'a perdu? Négatif. Ethan Winters est en sécurité. Il va bien malgré ce qui s'est passé. Et Luca Baker? Pour l'instant, c'est notre seul lien avec les connections. Luca, voilà. Prochain sur ma liste. Ok. Donc on reprend vraiment à la fin de Resident Evil 7, hein. C'est marrant. Hein. On reprend vraiment là où ça s'est arrêté. Donc Chris décide de rester sur place pour essayer donc de trouver Luca. Car ouais, Luca à la fin de RE7, on sait pas ce qu'il devient. Il arrive à s'échapper et on n'a pas de nouvelles. Alors, booting, Umbrella, c'est bon, Zouzou. Bien, ok. Je suis dans la mine. Le signal est stable. Je te reçois 5 sur 5, Chris. Le son du jeu n'est pas fort, attends, je règle mais ça. Apparemment, Lucas a fait de cette voilà. mine son repère. Combien d'hommes manquent à l'appel? 3 de nos meilleurs. Le dernier signal qu'on a eu provenait d'un laboratoire un peu plus loin. J'ai besoin que tu ailles voir. Compris. Yes! Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de retourner là-dessus. Oui, j'ai augmenté le son du jeu, les Crozes, ça devrait aller beaucoup mieux là. Désolé. Du coup, on se retrouve avec Chris. Bon, alors écoutez, donc, dans la logique, donc Chris va essayer de trouver Lucas. C'est ça, hein. Il va essayer de trouver Lucas. Et il y a 3 de ses potes qui sont portés disparus dans cette mine. C'est marrant, on a une interface un peu futuriste avec la barre de vie en bas et les munitions à droite. Bon. Encore une fois, ça va être très action, je pense. On verra. Bref, c'est parti, les Crozes. Let's go. Donc ça, c'est les mines de la fin du jeu. Je me souviens, on se retrouvait dans ces mines là. Allez, go. Le son parfait. Oh putain, ça commence direct. Oh putain. Ok, 3 balles dans la tête pour les tuer. Vous pouvez frapper un ennemi lorsqu'il est affaibli. Je fais ça comment déjà? Hop. Ok, merde. Merde, merde. Comment je fais? Ah d'accord, ok. D'accord. On peut leur foutre des coups dans la gueule. Bon. Il a vachement changé, Chris, quand même. Bah il a plus rien à voir en fait, on dirait pas lui, hein, clairement. Moi j'avais choqué à la fin de RE7 en croyant que c'était Chris. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui se faisait passer pour lui. Putain, mais finalement il fait peur ce DLC là. Oh. Ok. Eh ben dis donc. Ça commence sur les chapeaux de roue. Là. Du labo. Une idée de ce que Lucas fabrique là-dedans? On analyse encore les données, mais
et on dirait bien qu'il mène des expériences avec un mutamycète de type E. Espérons que les gars ne soient pas utilisés comme cobayes. Oh, même sa voix, elle est bizarre, quoi. Ah, mais on était déjà passé ici, je m'en souviens. Eh oui, le pont. D'accord. Ouvert. Oh, salut mon pote. Ça va? Je vais te sortir d'ici. Laisse-moi, c'est trop tard. On va sortir d'ici tous les deux. Ah, bon. C'est quoi ça? Ça risque pas d'arriver. Oh, je ferais pas ça si j'étais toi. Ah, c'est Lucas. Bon, tu peux toujours essayer d'enlever ça. Mais je te le déconseille. Mes mains pourraient glisser. Lucas, arrête! Oups. Oh merde. Je te propose un truc, Chris. T'arrêtes de me suivre et je te fais pas sauter la tête. Oh, ça vaut aussi pour tes petits copains soldats, hein. Adios. Muchachos. Je détecte des spores dans l'air. C'est le mutamycète de type 2. Ton masque passera automatiquement en mode recycleur. Ok. Garde un œil sur ta réserve d'oxygène. Ok. Elle est où ma réserve? Ah, elle est là, ok. Ok, faut se dépêcher. Ma réserve est en bas à gauche. C'est la petite zone verte. On a chopé un truc. Ok. Okay. Ah, faudrait mieux que tu rentres pour qu'on désamorce cette bombe que tu as sur le bras. Touchi. Cette ordure ne doit pas prendre de l'avance. Compris. Mais sois prudent. Touchi, tu feras le DLC à la fin de... Oui, bien sûr. Alors, ce DLC me tente énormément. Mais j'ai voulu commencer par notre héros, donc celui-ci. Car le DLC, la fin de Zoé, c'est la suite de notre héros. Donc, ouais. Mais oui, je vais le faire absolument. Oui, il me tente même plus que celui-là, donc... Donc oui, je le ferai, vous inquiétez pas. Ah merde. Vite. On fonce. Ok. Oh. Boum. Je m'appelle pas Chris pour rien, enfoiré. Ça est convaincu. Si c'était pas le cas, je serais pas. Non, il est pas con, Lucas. Mais il faut que je digère le fait de travailler avec Umbrella. Je comprends que ce soit difficile. Et pour être honnête, bon nombre de nos membres étaient avec nous avant même que l'on devienne une société. Et tout ce qui reste d'Umbrella, c'est le nom. Un bon retour sur R7. Sur la mission, et peut-être qu'on pourra continuer cette conversation à ton retour. D'accord ? Merci, Siraya. Eh oui, quel retour. Puis c'est bien parce qu'on n'a pas juste. On n'a pas juste un DLC, on en a deux, les Crows. Et oui, deux DLC pour le prix d'un. Car il faut savoir que ce DLC, donc notre héros que je suis en train de faire, est totalement gratuit. Hein. Vous pouvez jouer gratuitement. Enfin, il faut que vous ayez acheté le jeu, bien entendu, mais le DLC est totalement gratos. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Alors ici. Ok. Ah, les sauvegardes, tiens, ça m'avait manqué. Tac! Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est à moi, ça? Sélectionner un objet à utiliser. D'accord, donc ça, c'est mon inventaire. Alors, attendez. Donc, il va nous falloir un truc ici à mettre. Il va falloir qu'on mette un truc ici, Écrose. Je pense qu'on l'a pas encore. On a un couteau, un flingue. Une Thor Hammer, des grenades, du remède qui permet de regagner de la vie, des munitions, ok. Un document de briefing et la lettre sur les objectifs d'Umbrella. Très bien, alors est-ce que je peux les lire? Alors nos objectifs là c'est appréhender Lucas et retrouver les trois soldats, d'accord. Alors attendez, tac, est-ce que je peux lire cette merde? Oui. Pour beaucoup d'entre nous, cette mission est la première à nos côtés. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour clarifier la philosophie d'Umbrella.
Je peux pas live sur YouTube, Marina. J'ai déjà essayé deux fois et c'était deux catastrophes. Non, YouTube ne veut pas que je live sur sa plateforme. Bien que bon nombre de nos membres aient fait partie de la multinationale pharmaceutique tristement célèbre, nous avons pour vocation de réparer les atrocités perpétrées sous le nom de Moella. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réorganisés en tant que société militaire privée en 2007. D'accord. Nous nous engageons à arrêter quiconque est impliqué directement dans la conception ou les ventes d'armes biologiques ou soutient de telles activités. Il est temps pour nous de réparer nos erreurs en conservant le nom d'Umbrella. Nous prenons la totale responsabilité de nos agissements passés. Et nous voulons que chacun d'entre vous porte cette responsabilité devant cette chacun. D'accord. Donc en fait, Umbrella a totalement changé. C'est devenu un truc militaire, d'accord. Ok. Très bien. Alors, opération Perky Road, donc c'est notre mission. Objectif principal, extraire Luca Baker. Lieu des opérations, Dulvey, Louisiane, États-Unis. Propriété des Baker. Type de menace, micromorphe, variante alpha, autre. Piège antipersonnel, létaux ou non, d'accord. Bon bah écoutez, Croze, c'est pas mal, hein. Donc on aura un truc à mettre ici, ok. On va retenir... Putain, non, ça y est, c'est reparti. C'est quoi encore? Quelle est cette blague? Attends. Docteur, docteur, est-ce que je peux prendre la pilule avec la diarrhée? Oui, faites comme vous voulez, mais moi je préfère la prendre avec de l'eau. Mais c'est vous qui voyez. Je suis désolé, Scott, hein, mais... Je crois que j'ai pas compris ta blague. Ça parle de diarrhée, ça j'ai compris. Ça parle d'eau. J'ai pas fait le rapprochement en fait. Stéroïde. Augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Ah, il va encore nous falloir des pièces, ok, comme dans le jeu. 3 pièces, 5 pièces, ok. Oh! Un deuxième collègue! Tu tiens le coup. Là, collègue! Redfield. Yep. T'en fais pas. Je vais trouver la clé et te faire sortir d'ici. Ah, il me faut une clé, d'accord. Je l'ai pas? Non. Ah, attends, est-ce que je peux changer d'arme? Oui. Est-ce que je joue à la manette? On va tenter de jouer à la manette, attendez. Parce que c'est chiant le clavier souris sur ce jeu. On va tenter la manette, les Croses. Vous savez quoi? Ouais, nickel. Ah, c'est mieux. Du coup, on a une grosse arme, là. Ça fait plaisir. Nice. On a le flingue, on a des grenades. Très bien, on y va. Merci Scott, je mange justement du chocolat. Les blagues pourries de Scott. Ah, encore un ascenseur. Okay. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, le patient prend le cachet avec de la merde. Et tout s'explique! Ah, cette blague valait bien 1€. Hein. Ouais. Alors. Ah, ici ça me dit rien par contre. Ok. Oh putain. Ok, il y a trois. Il y a trois. Il y en a trois là. On est bon là. Oh merde, c'est un gros lui. Putain. Merde, j'ai plus de balles. Oh, j'ai plus de balles. Wow. Non. J'ai plus de balles, vite. Ça. C'est bon. Ok. Non, encore. On va les esquiver. C'est quoi cette merde? La clé. La clé. Vite. Non. Ah. Putain. Putain, putain. Faut que je les tue. Faut que je les tue. Faut que je les tue. Ok. Ok.
Ah, ils arrivent à l'infini. C'est quoi ce bordel? Putain. Oh là là. Ok. Je crois que c'est bon. C'est bon. Ah la vache. Munition, parfait. Alors. Bon, du coup, il y avait la clé de la cage de notre collègue là, mais. Mais ça s'est. Ça s'est levé. Comment je vais faire là? Ah! Putain! Je reviens pas. Une roue dentée. C'est bon. Je gère la situation. Oh non, pas encore. Oh non! Oh putain, c'est un gros lui! C'est un gros! C'est un gros! Tu peux me dire à quoi j'ai affaire? Ouais! Non! Je me casse! Je me tire! Je me tire! Je me casse les creuses. Non, non, je veux pas aller là, moi. Si, je dois aller là. Si, si, je dois y aller. Vite! C'est bon. Tout va bien. Je me demande si on va rester dans ces mines pendant tout le DLC, tiens. Toujours vivant, collègue? Attends, je t'ouvre. Bouge pas. Même si je sens que tu vas crever, mais c'est pas grave. Ok. Tiens, d'ailleurs, les Crows, avant de parler à notre collègue, je tiens à vous dire, je sais pas si vous le saviez, mais Resident Evil 8 est déjà en développement, ça y est. Hein. Ça a été confirmé. Hein. Le 8 est déjà en développement. Ça va? Ça va aller maintenant. C'est ce qu'il veut te faire croire. Je suis juste un appât. Tu t'es fait avoir. Quoi? Oh non! Et merde! Dans le filtre. Sur mon masque. Allez. Si je fais ça, tu meurs. Je suis mort. Oh! Romy! Il a raison, Chris. Oh! Déca! Non! Non! Ah mais non, mais non! Collègue! Ça va, collègue? Tu vas bien? Ah merde! Merde, merde, merde. Bon bah écoute. Muchachos, adios hein. Du coup, nous on doit aller où? Vite, faut qu'on se casse de là. Alors, qu'est-ce qu'on... Merde, attends. Qu'est-ce qui fait 999 fois tic et une fois toc. Un mille pattes avec une jambe de bois. Après Scott, Romy. Non, je l'ai compris, mais... Ouais, c'est... Je m'y mets aux blagues nulles, désolé, bah oui. T'as bien fait de le préciser, Romy. Oh non, 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 merde. Non. Nope. Mon inventaire, comment je fais? Oh, cachou! Attends. Attends, je fais pause. RIP notre collègue. Merci beaucoup, Kaichou. Merci. Merci. Merci pour tes 10 euros. C'est très gentil de ta part. Attendez là. Y'a le gros.
sais pas où je dois aller. On a la clé dans... Attendez, il est où l'inventaire là? Fichier, carte. C'est quoi l'inventaire? Ah, c'est ça. Ah, mais on a plus la clé. Ça sert à rien que je vienne ici. Il y a une porte là, mais il faut une clé, je l'ai pas. Non, non, faut revenir en arrière. Un mille pattes avec une jambe de bois, tiens. Non mais balancez vos blagues, je vais les sortir au repas de Noël, là, en famille. Je vais les noter, puis je vais les sortir, puis je vous dirai l'ambiance générale du repas. Celle-là, je vais la sortir, tiens. Ah mais du coup, putain, il se baisse plus, regardez en bas à gauche. Ma jauge, elle baisse plus. Je crois que le collègue, il m'a donné un filtre de haute qualité, hein. C'est du haut de gamme, là. Ouais. J'ai hâte de mettre le grappin sur cet enfoiré. N'oublie pas qu'il nous le faut vivant, Chris. Ouais, ouais. Petite sauvegarde. Appareil de vision nocturne requis. Ah mais si. Attendez. Bon, on va essayer de retourner en arrière quand même. On va essayer de choper la vision nocturne du coup. Putain, on est dans une morgue là. C'est quoi tous ces corps là? Oh merde. Y'a un méchant là-bas. Y'a un méchant. What? Oh, ça lui fait rien les balles. Tu déconnes, ça lui fait que dalle. Ça lui fait rien. Chris, cette nouvelle espèce blanche est extrêmement résistante. Ah, je vois ça, ouais. Si t'as une idée, je suis preneur. Il te faut des munitions spéciales pour l'empêcher de régénérer ses tissus. Pour l'instant, mieux vaut l'éviter. Putain, espèce d'enfoiré, va. Allez, let's go. Putain, je l'ai violenté, là. J'aime pas cet endroit là. Ok. Ok. Une pièce antique, parfait. On est à deux déjà. Oh merde. Mais c'est quoi cet endroit? Appareil de vision. Oh! Vision nocturne! Yes! Cool! Et des notes. Appareil de vision nocturne, comme son nom l'indique, cet appareil, hein, le dispositif utilise une vision de la lumière. Ok, bon, c'est un vision nocturne quoi. Alors comment je fais? Comment je peux activer? Ces munitions devraient te permettre de neutraliser les mycomorphes blancs. Ah. Bien. Yes. Alors je fais comment pour changer de munition? Attendez. LT et Y. D'accord, donc là maintenant je peux les buter. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Bon, on a la vision nocturne, les crozes. C'est quoi ces petites bestioles là? Oh! Saloperie! Vite! Allez! Allez! Oh putain. Ah, c'est des aliens! C'est des aliens! Vite! Ah! Ouh! Il est chaud. On y vient de là, non? 12 euros? My god, Scott! Je bug trop, je vous lèche tranquille les creuses, je regarderai la rediff. Bonne soirée à la prochaine. Merci, Scott! Bonne soirée à toi, et puis bah ouais, à la prochaine du coup. En espérant te revoir au prochain live. Hein. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Quoi? Quoi? Scarecrow et Kaichu? Pour engager un deuxième modo. Qui ça, Scarecrow?
putain, merci, hein. Merci à vous, les Crozes. Putain, la vache. Merci beaucoup, hein. Non, mais si Scarecrow veut être modo, y'a pas de soucis, hein. Bon, attendez, putain. On a 4 pièces, on va aller se prendre un truc. Ça c'est quoi? Stéroïde, augmente votre vie maximum. Augmente votre vitesse de rechargement. Oh, à prendre la vitesse. Merde. Ah, ça bug pour vous le live? Pourtant, tout va bien de mon côté, hein. Tout est vert. Allez, on se prend des stéroïdes. Hop, et on va se le foutre dans le cul. Comment je fais ça déjà? Comme ça? Non. Stéroïdes. Allez, let's go. Boum! Mais bon, votre vie maximum augmentée, ok. Ça c'est cool. Ah mais voilà, ça y est, on a la vision nocturne, on peut y aller maintenant. Ok, let's go. Ah, bah voilà. On les voit les pièges là. Oh là, ici il y a un rayon, fais gaffe. J'ai aidé mes parents à m'offrir le VR en plus des cadeaux que j'ai acheté dans mon putain de pull à 180€. Waouh! 180€ le pull, putain! C'est intérêt d'être de la bonne laine, hein! Hop, hop! Ah, oh merde, putain, j'ai pas vu le fil! Il y a vraiment des pièces partout, hein. Ok. On est good. Oh là là. Ah. Oh non. J'allais dire m'explose pas dessus mais c'est trop tard. Ok, on a pété ça. Ok. Ah bah moi à cause de ce vent là, et ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, j'ai plus de 4G. Donc c'est pour ça que je peux plus vous mettre les rediffs. Les rediffusions. C'est assez chiant, mais bon. Oh, putain, il m'a fait peur ce con. Oh là, ça sent l'énigme là, attendez, oh là là. Oh là 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 là. Oh oui, oh oui. Ça sent l'énigme. Ok, donc faut que je fasse pousser ça là, ok. Donc toi tu dégages. Yes! Oh non! C'est bien! Oh putain, regardez les Crozes, il y a des ballons derrière. Ça fait référence au jeu. Quand Lucas nous chope, il y avait plein de ballons, je m'en souviens. Ok, donc toi, tu vas aller là. Ok! Et toi, tu vas aller ici, mon pote. Alors, on va aller là. Il y a peut-être quelque chose à prendre.
Non ? Attendez, non, c'est trop chelou là, attendez. On est d'accord qu'on vient de péter ce truc et y a rien à l'intérieur ? Sérieusement ? Ok. Bah allons là alors. Faut un peu flipper eux. Heureusement qu'ils se réveillent pas. Hein. Hello ! Oh non, y'a le clown. Oh ! Y'a le clown ! Y'a le clown. Non. En plus, j'ai pas sauvegardé. Y'a le clown. Regardez. Oh putain. Qu'est-ce qui faisait flipper lui ? Bon là, ça sent la merde là. Touché a réussi une énigme et en plus rapidement. I'm shocking. Non, elle était vraiment simple celle-là, non ? Non, c'était simple. Foiré ! Cri du clown. Ah, on a chopé une clé. Ah, il me la donne comme ça. Bah, c'est gentil ça. Bah, c'est gentil, monsieur le clown. Oh. 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 Reste couché, sale bête. Oh. Je reviens pas. Oh putain. Oh putain. Non. Vite. Allez. Oh. Champion du monde. Champion du monde. Moi je vous le dis. Champion du monde. On a même pas utilisé une seule munition. Pas une seule balle. Oh. Attention. Ah là, pour le coup c'est très raison de tes villes. Tac. 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 Hey, oh, ça va? Tiens bon, j'arrive. Il est où? Collègue? Ah, il est là. Il est là, le collègue. Donc c'est le troisième. On en a trouvé deux qui sont malheureusement morts. J'imagine que jamais 203, son pote va finir la tête au sol. On va voir ça tout de suite, les choses. Tac, tac, tac. Tin, 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 tin. Palala, 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 palala. Marquez. Oh, c'est mal joué ça, mon Chrisou. Qu'est-ce que... Tu peux mourir maintenant, Chris. Oh. Putain. Oh. What? What? Quoi? Je devais faire un truc? Attends, je devais faire un truc? C'est quoi ce bordel? Ah, je dois le traîner, ok. Mais non. Ok. What the fuck? Attendez. Ah putain non. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Tout à fait. Hey, toujours en vie? Ben, c'est toi? Merci. Je commence
commencé à croire qu'on nous avait laissé tomber. Je crois qu'on peut sortir par là. Quoi? Il va vivre? Tu déconnes. Lucas est un putain de psychopathe. Je sais pas ce qui est pire, lui ou ses choses. Ouais. Il faut qu'on se tire d'ici. Ouais, je te suis, hein. Je te suis, collègue. À toi l'honneur. Par ici. On doit pouvoir sortir par en haut. Oh putain. Dis-moi que c'est pas vrai. Salut Romy, à la prochaine. Oh non. Je le savais. Je sais pas pour toi, Christopher, mais je commence à en avoir marre de ces petits jeux. Trois hommes, Lucas. Trois de mes hommes sont morts à cause de toi. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Je crois pas, non. Ça va faire quatre soldats morts dans un instant. Tu vas échouer. Oh merde! Et ensuite, tu vas crever. Nope. Je ne mourrai pas ce soir. Oh putain. Ok. 10 minutes. On a un problème ici. On est sur le coup, Chris. Retourne à la caverne centrale. Ouais. Attends mes instructions. Ok. Me laisse pas tomber. Me laisse pas tomber. Oh mais il y a des pièges ici, il y a des pièges. Oh putain. Ok. J'ai pas le temps les gars. Je suis désolé. J'ai pas le temps. I have not the time. Ok. Not the time. Oh. Ok. Chris, bonne nouvelle. Les vidéos de la première unité ont révélé la présence de bouteilles d'azote liquide près d'ici. Tu pourras peut-être désactiver la bombe en la gelant. C'est où? Pour les bouteilles. L'aire de stockage dans la zone d'extraction. Passe par la porte rouge. La porte rouge? La porte rouge. La porte rouge. Là-bas. Porte rouge, ok. Tac, tac. Let's go. Putain, c'est stressant avec le timer en haut, là. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Let's go. Let's go, let's go, let's go. J'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps, j'ai dit. Ah. Allez, allez. Huit minutes les crosses. 8 minutes. 8 fucking minutes. J'espère qu'on a pris la bonne porte. Je pense que oui, hein. Ça doit être celle-là. Ah, c'est ça. Ouais, merde. Concentration ultime, là. Attention. Ça rigole pas, les crosses. L'azote liquide se trouve juste un peu plus loin. Ok. Je gère. Je m'appelle pas Chris Redfield pour rien. Hein. Wow! Ah non! Oh non! Yes! Yes! Oh, j'ai la clé, je crois. Il se pas un truc sur lui. Oh, il est gros, hein. Il est gros. Ok. Ok. Oh, tu viens? Ouh. Okay.
crois qu'on l'a eu. Non. Putain. Mais dégagez. Oh là 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 là, quel bordel. Mais quel bordel. Tu vas crever, enculé. Je te le dis, tu vas crever, hein. Tu vas crever, enculé. Crève, 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 crève. Ok. Je crois qu'il a pas envie de crever, hein. On y va. Oh, grenade. Oh, j'ai des gros. Oh, j'ai des grenades. Oh, j'ai des grenades. Oh oui. Oh, ça marche, ça. Ça a l'air de marcher, ça. Ça, ça a l'air de marcher. Tiens. Espèce d'enfoiré. Alors, t'en vas encore? J'ai encore 4 minutes 30, ça me va. Allez. Tiens. Putain, il me reste 4 minutes. Il me reste 4 minutes. Azote. Azote, 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 azote. 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 Là, peut-être. Ok. L'azote est là. Ça va vraiment marcher. Dépêche-toi, Chris. Faut y aller. Ah, carrément. Carrément. Retire-la avant qu'elle dégèle et se réactive. Merde. Wow. Est-ce que ça va, Chris? Ouais, ça va. Ça va. Ok, Lucas. À nous deux, maintenant. J'avais oublié qu'on avait... Chris, on a repéré une zone derrière le tunnelier. Lucas ? Peut-être bien. Essaie de voir si tu peux y accéder. Compris. J'avais oublié qu'on avait des... Bah, des grenades. Les grenades, ça marche en tout cas. Là, ce moment de stress, là. Clé clown. Oh, on a la clé clown. Qu'est-ce qui va se passer, du coup ? Oh, attention. Stargate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une porte, je m'en doutais. Je vais sauvegarder. On va sauvegarder tranquillement. La porte mystère. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est peut-être la cage de... C'est peut-être la planque de Lucas, du coup. Oh non. Mec, j'ai pas de munitions pour les blancs. Scott, what? GG, là on retrouve notre Toshi. Putain, Scott, merci beaucoup. Oh, t'es un malade. Merci, Scott. Merci beaucoup. La vache. Ça fait vraiment plaisir. Bon, attendez, là. Vous voyez ce gros mont blanc au milieu, là? Vous vous sentez moyen ou dans ce espace, là? On n'y voit que dalle. Encore de ce monde, on dirait. Très impressionnant, mon ami. Très impressionnant. Voyons. J'essaie d'augmenter un peu la luminosité. Voir si tu peux encore m'impressionner. Merde, j'ai pas le temps. Alors, en forêt. Alors, t'as plus de bras? Et t'auras pas de chocolat? Foiré!
J'ai plus de balles. Ils sont résistants. C'est pédé. Putain, ils sont vraiment résistants là. Ouh. Oh non, pas encore. Je passe là, non? Oh non. Putain. Je vais mourir. I can die. I dying. I dying. Aïe. Enfoiré. Oh merde. Comment je fais les crocs, j'ai plus de... Mais non, mais j'ai pas de balles. Oh, je crois que j'en ai. Oh, j'en ai deux. Attention. Baby! Yes! Mais non, mais vous êtes malade, putain, sérieusement, les crocs! Je suis en train de défoncer des zombies! Oh! J'en reviens pas là. Viens pas. Mais non, putain, mais j'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Vous comprenez ça? Oh là là, mais quelle saloperie. C'est bon? C'est pas encore bon. Si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon, les crocs. Tu ralentis, Christopher. C'était limite sur ce coup-là. Combien de temps tu penses pouvoir endurer ça? Non, encore? Sérieusement? Non, non, stop. Ah. Stop les gars. Allez, bouge ton gros cul là. Putain, mais allez vous faire enculer. Dégage avec ton gros... Dégage. J'ai crevé. Dégage. Casse pas. Non. Ça sent la fin. D'accord. Ok, c'est fini, d'accord. J'ai plus rien en stock. Tu veux pas non plus que je te plaigne, du con. Je sais, j'ai fait des choses terribles, horribles même. J'ai tué des hommes, je les ai torturés, et j'ai apprécié chaque seconde, mon petit pote. Tout comme je vais apprécier de te voir. J'ai l'impression que ton temps est coupé. Tic-tac, Christopher. Tic-tac. Si tu veux me tuer, alors toi. Et une bonne fois pour toutes, ferme-la. Allez. J'aimerais bien rester et te regarder mourir carbonisé. Et papa, on m'attend ailleurs. Merci Kaichu et Scarcrow pour votre deuxième don de 20€. Merci énormément, c'est un truc de dingue, parce que tu es le meilleur. Merci les crocs, merci beaucoup. Et merci Mansigna aussi. Courage à notre duo de choc Toshi Chris. T'inquiète.
Ok, nickel. Chris, rien de cassé ? C'est bon, je suis. Non, ça va. On a intercepté un email que quelqu'un vient d'envoyer. Écoute ça. Je me suis occupé d'Umbrella et de Redfield. Tout ça m'a fait perdre du temps. Eux ont perdu bien plus. Mais je peux encore vous envoyer ces données, comme ça on sera quitte. Il croit que je suis mort. Il faut en profiter. Il a envoyé ça à qui ? On est encore en train de décrypter ça. Occupe-toi de Lucas. Tiens-moi au courant. Tu vas pas me tirer dessus, toi, hein. T'es une gentille. Hein. J'espère. Toshi, je t'ai ajouté sur Snapchat. D'accord. Très bien. Oula. Oh. Oh, ça change d'environnement, là. Est-ce que vous voulez une pause, les crocs, ou non? Dites-moi. On est dans une espèce de laboratoire. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment... Oh! Je m'en doutais. Enfoiré, bah. Reste couché, j'ai dit. Très bien. Voilà. 11 juin 2017, j'en ai ma claque de ce Lucas. Ils viennent de lui donner mon poste à la tête des recherches. Pour qu'ils me prennent, pourquoi est-ce que moi, diplômé de Stanford en microbiologie, je travaillais sous les ordres de cette abruterie? Tout ce qu'il fait, c'est jouer avec les cow-boys, en les faisant se battre entre eux et réaliser des autopsies juste pour le plaisir. Ce type est malade. Ok, donc Lucas travaillait ici, très bien. C'est une espèce, ouais, de labo. Un espèce de laboratoire où ils ont créé donc ces machins là. Très bien. Placement de produit, exactement. Placement de produits Carrefour, saveur cassis sans sucre, les aromatisés. Voilà, c'est du 1,5 litre, hein. On est sur du basique. Voilà quoi. Oh. Oh, il est là ce con. Lucas. Oh. Mon Lulu. Comment tu vas? Énorme, il est juste là. Regardez. Je regarde s'il n'y a pas des petites pièces. On sait jamais. Oh, bordel, c'est pas vrai. Oh oh. Je crois qu'on lui a coupé le courant. Lucas! Je défonce la vitre, Lucas! J'ai rien à foutre! Oh putain. Ça je prends. J'ai tué les chercheurs des connexions. Oh! Il a carrément tué les chercheurs. Il a tendance à mettre leur nez là où il ne faut pas dès que j'avais le dos tourné. Je les ai foutus en cage avec quelques micro-morphs, ils se sont chiés dessus et m'ont supplié de les épargner. What? On va le buter, cet enfoiré. Ah, il n'y a plus de balles. Ha ha! C'est deg, hein? Saloperie. Cartouche de fusil, excellent. Il est où? Oh, il y aura un gros boss ici. Comment t'en sortir? Tu devrais être mort. On a tes emails. On sait que tu balances des infos à quelqu'un. De quoi je me mêle? Ça te regarde pas, Chris. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur notre petite Evie. Beaucoup de gens. Ça sent le boss. Les amis, les connections sont au courant de tout ça? Pas sûr qu'ils soient du genre à pardonner. Ça sent le boss. Ça, c'est mon problème. Laisse-moi m'occuper d'eux. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Il va y avoir un boss. Ah, oh le con. Oh. Esquive. Oh. Impossible. Non. J'arrive pas à y croire. Il va bien falloir. C'est terminé. Il va se transformer. Non. Pas question. Ferme-la et accepte ton sort, Lucas. Il va se transformer. Oh la vache! C'est le plus vieux, ça. Je crois qu'on a un petit problème. L'infection est à un stade critique. Ouais, merci, je m'en étais rendu compte.
qui est une surprise pour toi. Tu es dans la merde! Il va falloir que tu sois prudent. Très prudent. Sans déconner, je suis au courant. Comme si j'avais pas été prudent jusqu'ici. Alors, tu ressembles à quoi? Ah, c'est sympa! Ok. Ok, mon gars! D'accord. Ah, tu te la joues comme ça, mon Lucas! Tu te la joues comme ça, mon Lucas! Ah! Foiré! C'est ça qu'il faut niquer? Ah, je trouve que c'est ça qu'il faut niquer. D'accord. J'ai compris. J'ai trouvé ton point faible. Mon petit Lucas. Wow. Joli. Wouh. Wow, la vache. Est-ce qu'on va le faire du first try, les crosses? First try ou pas first try? First try. Oh vite, il me reste une minute. Je vais crever dans 80 secondes. Non. Oh. Salopard. Oui. Allez, faut que je te nique. Non. Oh putain. On était tellement proche du first try, j'aurais dû me soigner. Putain, quel con. J'ai plus beaucoup d'oxygène. Putain, bâtard. Enfoiré, va. Secondes. Oh! On l'a eu. Chialer. Quelle est la situation? L'installation est sécurisée. Même les nouvelles espèces sont neutralisées. Oh la gueule!
Alors je rentre. C'est pas mon Chris. C'est pas mon Chris. Ah, la famille Baker. Attention, c'est intéressant. Le mur d'enceinte est en place et opérationnel. Ok. Tout est bien qui finit bien. Pas pour eux, malheureusement. Mais la moisissure est confinée. Espérons que ce soit les dernières victimes, Davy. Oh la gueule. Espérons. Putain. Chris, il y a un appel pour toi. Il faut que tu reviennes au camp. Compris. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Chris ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Bon, eh ben... Nous avons fini le DLC en 1h23 et 49 secondes. En difficulté normale. Partie recommencée 8, donc je suis mort 8 fois. Pièce antique 5 sur 10. Fichier 5 sur 9. Accès au coffre 1, où j'ai soin utilisé 10, ok. Mode difficulté professionnel, ah oui. Bon, Cross, on va se refaire le DLC en mode professionnel. Let's go. Contenu débloqué. Objet Thor Hammer viseur B. D'accord, nouveau viseur. Très bien. Ok, bah écoutez, Croze, bah nous venons de finir le DLC Not Hero, donc gratuit, je tiens à le rappeler, il est totalement gratuit, vous pouvez en profiter gratuitement, ça c'est cool. Hop. Et puis voilà, bah moi j'ai bien aimé ce DLC, pour un DLC gratuit c'est très bien, il y a eu des boss, il y a eu des petites énigmes. C'était bien, j'ai bien aimé. Pas mal pour un DLC gratuit, ouais. Du coup, prochain DLC, les Crows, ça sera sur Evie. C'est ça qu'elle s'appelle, je sais plus. Evie, je crois. Non, c'est pas Evie. Comment elle s'appelle ? Attendez. Je vais vous mettre le prochain DLC en image de fond. Ah merde, je l'ai plus. C'est pas grave. Je sais plus c'est quoi le titre du prochain... Zoé, voilà, c'est Zoé. Prochain DLC donc sur celui de Zoé. J'ai vraiment hâte parce qu'on l'a laissé sur le... En fait, souvenez-vous, dans le jeu de base, on avait le choix entre choisir Zoé, qui elle était contaminée, ou notre copine, qui elle aussi était contaminée. On avait deux choix. Moi, j'avais choisi, enfin, c'est assez logique, notre copine. Mais du coup, Zoé, bah, elle reste derrière, quoi. On sait pas ce qu'elle devient. Il faut savoir que Zoé, c'est la fille Baker. Hein. C'est une fille donc de la famille Baker. Donc là, dans le prochain DLC, on va voir comment ça se passe. Justement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Est-ce qu'elle s'en est sortie ou pas ? On ne sait pas. Réponse très bientôt, les Crows, donc en live. Prochain live donc sur le DLC de Zoé. Je vous tiens au courant sur Twitter. Logiquement, ça devrait être lundi soir. Nous sommes jeudi. Attendez, que je dise pas de bêtises. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, lundi soir. On se donne rendez-vous lundi soir pour le prochain DLC. De Resident Evil 7 sur Zoé. Sur ce, écran, je vous laisse là. Passez une très bonne nuit. Merci aux dons. Vous avez été très généreux encore une fois ce soir, les Crows. Merci à tous, vraiment. Très gentil. Voilà. Merci pour ce live. Pour le live de sort. Bah de rien, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Bonne nuit à tous, je vous fais plein de bisous, les Crows. Et donc, à lundi soir. Ciao, ciao.